Hello everybody, how are you doing today? Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans cette troisième capsule de notre programme de cours d'anglais. Aujourd'hui, nous verrons le present simple, usage et structure. Let's get started. Débutons. The simple present tense is used to express habit. Nous utilisons le present simple pour exprimer d'abord les habitudes, habits. En exemple, nous avons la phrase qui suit. Il achète le journal tous les matins. He buys the paper every morning. He buys the paper every morning. Ou encore, he buys the newspaper every morning. He buys the newspaper every morning. Nous pouvons également utiliser le present simple en anglais pour exprimer les vérités générales. General truths. General truths. En exemple, nous avons la phrase qui suit. Le Gabon est un pays. Le Gabon est un pays. C'est une vérité générale. Gabon is a country. Gabon is a country. Les faits, fact. Nous utilisons le present simple en anglais pour exprimer les faits, fact. Je vis en France, c'est un fait. I live in France, I live in France. Et pour terminer, nous utilisons the simple present pour exprimer les emplois du temps ou encore des programmes. En exemple, nous avons la phrase suivante. Le train part à 8 heures pile. The train leaves at 8 o'clock. The train leaves at 8 o'clock. Nous passons à la deuxième partie de ce cours. The simple present tense. Cas de la troisième personne du singulier. Forme affirmative. Nous traitons d'abord des exceptions, d'accord? Et ensuite, nous passerons à la forme générale sur l'usage du present simple, à savoir les structures. En règle générale, on ajoute simplement un S à la troisième personne du singulier. Bien évidemment, he, she, it. It, utilisé pour les animaux et les choses, du verbe à conjuguer. Comme exemple, nous avons les phrases qui suivent. He needs a book. He needs a book. Il a besoin d'un livre. She wants a car. She wants a car. Elle veut une voiture. Paul speaks English. Paul speaks English. Paul parle anglais. Jenny understands French. Jenny understands French. Jenny comprend le français. He needs a book. She wants a car. Paul speaks English. Jenny understands French. Nous poursuivons avec les exceptions. Cas de la troisième personne du singulier, on ajoute ES au verbe si celui-ci se termine par Z, S, X, SS, CH, SH ou O. Comme exemple, nous avons les phrases suivantes. She watches TV every night. She watches TV every night. Elle regarde la télévision chaque soir. He misses the bus every morning. He misses the bus every morning. Il manque le bus tous les matins. She washes the dog every Saturday. She washes the dog every Saturday. He goes to school on Mondays. He goes to school on Mondays.
Il va à l'école les lundis ou encore le lundi. She does her homework every evening. She does her homework every evening. Elle fait ses devoirs de maison chaque soir. He fixes his car every month. He fixes his car every month. Il repare son véhicule chaque mois. Il repare son véhicule chaque mois. Donc, vous devez comprendre ici qu'à la troisième personne du singulier du present simple, nous avons des cas d'exception. Soit l'ajout du S que nous venons de voir, ou encore l'ajout du ES, d'accord, pour des verbes se terminant en Z, S, X, SS, CH, SH ou en O. La dernière exception concerne les verbes se terminant en Y précédés par une consonne, comme c'est le cas ici. On ajoute ES au verbe si celui-ci se termine par Y précédé par une consonne ou d'une consonne. On change le Y en I avant d'ajouter le ES. C'est ce que nous voyons juste en bas dans nos exemples. She tries. Tries. Le verbe au départ ici est le verbe to try. To try. L'orthographe étant T-R-Y. T-R-Y. Donc, le R ici représente la consonne. Ensuite, nous avons ce qui suit. He cries. He cries. Il pleure. Le verbe au départ est celui-ci. C-R-Y. C-R-Y. Le R ici représente bien évidemment la consonne. Et pour terminer, the t-shirt dries in the sun. The t-shirt dries in the sun. Nous avons terminé avec les cas d'exception. Nous passons maintenant aux différentes structures. Positive form. I like. You work. He goes. He has. She tries. You understand. We know. They read. I like. You work. He goes. He has. She tries. You understand. We know. They read. Poursuivons maintenant avec la forme négative. I don't want. I don't want. Généralement, le T n'est pas prononcé. I don't want. I don't want. Don't want. Don't want. You don't need. You don't need. She doesn't have. She doesn't have. He doesn't run. He doesn't run. It doesn't rain. It doesn't rain. They don't speak. They don't speak. À la forme négative, comme vous pouvez le voir, nous avons l'ajout du don't à toutes les autres personnes sauf aux trois personnes du singulier, à savoir she, he et it. C'est une règle que vous devez apprendre par cœur pour la formation de cette structure négative. Poursuivons. Forme interrogative. Question form. Do I need? Do you know? Does she like? Does he speak? Does it rain? Do we need? Do they eat? Passons maintenant à cette partie réservée à des formes
de phrases beaucoup plus longues. I like my new job. I like my new job. J'aime mon nouveau boulot, mon nouveau travail. I like my new job. You work with your colleague every day. You work with your colleague every day. Tu ou vous travaillez avec votre collègue tous les jours. You, comme vous le savez, signifie tu ou encore vous. Tu travailles avec ton collègue tous les jours. Vous travaillez avec votre collègue tous les jours. He often, often, adverbe de fréquence, souvent. He often, often, goes to the beach with his son. He often goes to the beach with his son. Il va souvent à la plage avec son fils. Il va souvent à la plage avec son fils. She has a wonderful family. Has, has, troisième personne du singulier du verbe avoir. Has, she has a wonderful family. Bright works for a big company. Bright works for a big company. Bright travaille pour une grande entreprise, pour une grande compagnie. You understand Spanish and French. You understand Spanish and French. Vous comprenez l'espagnol et le français. We know the date of the meeting. We know the date of the meeting. Nous connaissons la date de la réunion. They read books every weekend. They read books every weekend. Il ou elle lisent des livres tous les week-ends. Nous poursuivons avec la forme négative. I don't want a new phone number. I don't want a new phone number. Je ne veux pas un nouveau numéro de téléphone. You don't need my help. My help. You don't need my help. Tu n'as pas besoin de mon aide. Vous n'avez pas besoin de mon aide. She doesn't have a good salary. She doesn't have a good salary. Nous savons qu'à la forme négative, nous plaçons doesn't suivi de have, have qui est la base verbale du verbe. Rappelons-nous toujours de cette règle. Pour she, ou pour he, ou encore pour it, le have à la forme négative reste invariable. D'accord? OK, nous pouvons poursuivre. She doesn't have a good salary. Elle n'a pas un bon salaire. He doesn't run every morning. Il ne court pas chaque matin ou encore tous les matins. It doesn't rain in August in Gabon. Il ne pleut pas en août au Gabon. They don't speak Chinese language. They don't speak Chinese language. Chinese language, c'est bien évidemment le mandarin. Encore appelé mandarin. They don't speak Chinese language. Ils ne parlent pas ou elles ne parlent pas le mandarin. Nous terminons avec la forme interrogative. Do I need a computer? Ai-je besoin d'un ordinateur? Do I need a computer? Do I need a computer? Do you know the answer? Do you know the answer? Answer. Le W n'est pas prononcé. Answer. Answer. The answer. Le THE se lit V devant un mot commençant avec un son voyelle.
answer. An answer. The answer. Do you know the answer? Connais-tu la réponse? Connaissez-vous la réponse? Does she like dogs? Does she like dogs? Aime-t-elle les chiens en général? Dogs. Does he speak English? Does he speak English? Parle-t-il anglais? Parle-t-il anglais? Does it rain every day? Does it rain every day? Pleut-il tous les jours? Do we need a notebook? Do we need a notebook? Avons-nous besoin d'un notebook ou encore d'un calepin? Do they eat fish? Do they eat fish? Est-ce qu'ils mangent du poisson? Est-ce qu'elles mangent du poisson? Nous sommes arrivés au terme de notre session 3 d'anglais et nous vous souhaitons une excellente journée. See you next time.